Il est 3h30 cette nuit lorsqu'une canalisation d'eau se rompt à proximité immédiate du centre-ville de Carcassonne. Quand on est arrivé, on a vu un énorme geyser d'eau. C'est quand même une canalisation en 200 mm, donc ça fait quand même un sacré débit. Pour une pression assez raisonnable quand même, on est sur du 3 bar, mais on est monté, on touchait pratiquement les feuilles en haut du platane. Quoi. Immédiatement, les équipes d'astreinte de Suez se déploient pour fermer les vannes et isoler la fuite. Résultat, ce matin, au réveil, une centaine de foyers étaient privés d'eau. Des bouteilles devraient être distribuées dans la journée, mais une partie du réseau a déjà été rétablie. Car l'incident, bien qu'impressionnant, est courant en cette période de canicule. En fait, les sols bougent puisque ça sèche et donc forcément ça provoque des mouvements de terrain et les canalisations aussi bougent et parfois peuvent céder. Voilà, en l'occurrence, en ce moment, il peut y avoir pas mal de fuites dues à des mouvements de terrain à cause de la canicule. Les réparations prendront une bonne partie de la journée. Le réseau devrait être entièrement rétabli ce soir.